L'Opel Gag, spectacle de l'année à la disque pour Notre-Dame des Sept Douleurs. Est-ce que... Ben d'abord, es-tu contente? Je suis très contente. Je suis très surprise aussi. Oui. Ah oui? Ben oui. Hein? Vraiment? Ouais, t'as... Ouais? Tu okay. me crois pas? Ben, c'est tellement bon. Ben ouais, mais tu sais, moi je suis pas comme... C'est tellement bon ce que je fais. C'est pas ça qui se passe là, dans ma vie, mais... Mais je suis vraiment contente, mais je pense que c'est un bon show en tout cas, tu sais, je me sens un peu mal parce que j'ai pas nommé tout le monde avec qui je tourne, puis c'est tellement comme, je veux dire, complètement ça, tu sais, comme les musiciens avec qui je travaille, c'est comme la majeure partie de tout ça, c'est une grosse partie de notre vie, de ce qu'on fait dans la vie aussi, puis que... dans laquelle on se sent ensemble, mais des fois un peu seul aussi, des fois un peu loin, des fois fatigué beaucoup, puis on met quand même aussi beaucoup notre vie sur hold quand on fait ça, puis je sais à quel point ça peut être parfois psychologiquement un peu drainant, puis en même temps, c'est des moments exceptionnels qu'on vit ensemble, puis je me sens extrêmement privilégiée de faire ça, d'avoir une famille musicale comme ça avec moi, puis aussi talentueuse. Puis... Même si ça s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs, ça ne s'est pas créé dans la douleur tant que ça, ce spectacle-là? Ou... Ce spectacle-là, l'album un peu, mais là, le spectacle, non, c'était vraiment... c'était un peu même l'enregistrement avec les musiciens, bien, c'était le mot d'ordre, c'était comme que ça soit sain, climat, agréable, qu'on ait du plaisir, tu sais, puis qu'on soit comme ensemble dans une connexion, dans un bien-être, puis fait que je pense que c'est comme un peu une ligne qu'on a établie qui s'est poursuivie jusque sur la tournée. Pas de chicane, pas de, tu sais, fait que du respect, puis beaucoup d'admiration les uns pour les autres, fait que c'est vraiment, une très très belle famille. Puis voilà. Mais je dois remercier aussi quand même ma mère et mon copain pour m'aider avec. La gestion de notre vie de famille, notre enfant. Quand même, c'est quelque chose aussi de faire de la tournée avec, en étant mère d'un enfant. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les femmes, les chanteuses, artistes qui font de même, comme Béatrice le fait beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, parce que c'est pas tout le temps facile. Nous, on est plein d'admiration pour ton succès ce soir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup.